Bonsoir, bonjour et bienvenue à tous. Il est près de midi à Rome. Bonjour ou rebonjour à ceux qui nous ont déjà suivis il y a quelques minutes pour cette messe de la Pentecôte que nous avons suivie depuis la basilique Saint-Pierre. Cyprien Viette avec le père Michel Kubler. Rebonjour, cher père Michel Kubler. Rebonjour. Nous allons donc écouter dans quelques secondes la deuxième méditation du Saint-Père en ce jour de la Pentecôte, cette fois-ci à l'occasion de la prière du Regina Caeli, ce rendez-vous traditionnel qui remplace la prière de l'Angélus pour les dimanches et les jours de solennité. La foule est venue nombreuse sur la place Saint-Pierre, sous une chaleur déjà écrasante en ce printemps presque estival. Donc le Saint-Père a présidé la messe de la Pentecôte il y a quelques minutes et dans son homélie, il a insisté une nouvelle fois sur la disponibilité des cœurs à la venue de l'Esprit-Saint, invitant à recevoir cette force divine qui change le monde dans toutes les situations de la vie, y compris les plus ingrates. L'Esprit est dans le labeur, le repos, dans les pleurs, le réconfort. Le pape l'a répété en citant les mots de la séquence liturgique. L'Esprit-Saint entre dans les situations et les transforme, il change les cœurs. Et il change les événements. L'esprit libère les esprits paralysés par la peur. Il vainc les résistances. À celui qui se contente de demi-mesure, il donne des élans de don. Il dilate les cœurs étriqués. Il pousse au service celui qui se vautre dans le confort. Il fait marcher celui qui croit être arrivé. Le pape François qui a donc une nouvelle fois insisté sur cette dimension du mouvement pour que les cœurs soient suffisamment dilatés pour accueillir la venue de l'Esprit Saint. Voilà, nous attendons donc l'apparition du pape François depuis la fenêtre de ses appartements pontificaux dans le palais apostolique. Des appartements pontificaux dans lesquels il ne réside plus, puisque comme on le sait, il réside à la maison Sainte-Marthe, mais qui sont encore utilisés pour ce temps traditionnel de la prière du Regina Caeli ou de l'Angélus, comme ce sera le cas à partir de la semaine prochaine. Nous reviendrons dans le temps ordinaire. Nous écoutons donc le Saint-Père. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans la fête de la Pentecôte aujourd'hui culmine le temps pascal, centré sur la mort et la résurrection de Jésus. Cette solennité nous fait nous souvenir et revivre l'effusion de l'Esprit-Saint sur les apôtres et les autres disciples, réunis en prière avec la Vierge Marie au Cénacle. Ce jour a débuté l'histoire de la sainteté chrétienne, parce que l'Esprit Saint est la source de la sainteté, qui n'est pas le privilège de quelques-uns, mais la vocation de tous. Par le baptême, en effet, nous sommes tous appelés à participer à la même vie divine du Christ et avec la confirmation à devenir ses témoins dans le monde. L'Esprit Saint reverse la sainteté partout dans le saint peuple fidèle de Dieu. Comme l'affirme le Concile Vatican II, Dieu veut sanctifier et sauver les hommes non pas individuellement et sans aucun lien entre eux, mais il veut faire d'eux un peuple qu'ils reconnaissent selon la vérité et le servent dans la sainteté. Déjà, par la voix des prophètes antiques, le Seigneur avait annoncé son dessein à ce peuple. À travers Ézéchiel, il dit: Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai vivre selon mes lois et je vous ferai observer et mettre en pratique mes normes. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Et par la bouche de Joël, il proclame: Je diffuserai mon esprit sur chaque homme, et vos enfants et vos filles deviendront prophètes. Aussi sur les esclaves, je diffuserai mon esprit ces jours. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Toutes ces prophéties se réalisent en Jésus-Christ, médiateur et garant de la pérenne effusion de l'esprit. Aujourd'hui, c'est la fête de l'effusion de l'Esprit. Depuis ce jour de la Pentecôte et jusqu'à la fin des temps, cette sainteté, dont la plénitude est le Christ, est donnée à tous ceux qui s'ouvrent à l'action de l'Esprit Saint et s'efforcent de lui être dociles. Et l'Esprit,
qui fait expérimenter une joie pleine. C'est l'Esprit qui fait expérimenter une joie pleine. L'Esprit Saint venant en nous ouvre le cœur à l'espérance. Et comme le dit Saint Paul, le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, magnanimité, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est tout ce que l'Esprit fait en nous. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui, cette richesse du Père, cette richesse que le Père nous donne. Demandons à la Vierge Marie d'obtenir aussi aujourd'hui, pour l'Église, une Pentecôte renouvelée, une jeunesse renouvelée qui nous donne la joie de vivre et de témoigner de l'Évangile et qui diffuse en nous un désir intense d'être saint pour la plus grande gloire de Dieu. Le pape citant son exhortation apostolique « Gaudete et exultate ». Récite maintenant la prière du Regina Caeli. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Qui est rexit demonus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione in fili tui domini nostri, Jesu Christi, mundum letificare degnatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgen Maria, perpetue capiamus gaudia vite, per unem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Le Saint-Père va reprendre la parole après cette prière. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, la Pentecôte nous emmène avec le cœur à Jérusalem. Hier soir, j'ai été spirituellement uni à la veillée de prière pour la paix qui a eu lieu dans cette ville, sainte pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Et aujourd'hui, nous continuons à invoquer l'Esprit Saint pour qu'il suscite de la bonne volonté des gestes de dialogue et de réconciliation en Terre Sainte et dans tout le Moyen-Orient. Je désire dédier à nouveau une pensée particulière pour le bien-aimé Venezuela, avec l'aide de l'Esprit Saint. Que tout le peuple vénézuélien trouve la sagesse pour rencontrer la voie de la paix, de l'unité. Aussi, je prie pour les détenus qui sont morts. L'événement de la Pentecôte marque l'origine de la mission universelle de l'Église. Pour cela qu'aujourd'hui a été publié le message pour la prochaine journée missionnaire mondiale. Et cela me plaît aussi de rappeler qu'hier ont été fêtés les 175 ans de la naissance de l'œuvre de l'enfance missionnaire, qui voit les enfants être protagonistes de la mission avec la prière et les petits gestes quotidiens d'amour et de service. Je remercie et j'encourage tous les enfants qui participent à diffuser l'Évangile dans le monde.
J'adresse mon salut cordial à vous, pèlerins venus d'Italie et de différents pays, en particulier les élèves du collège Irabia Izaga de Pamplune en Espagne, le groupe du collège Saint-Thomas de Lisbonne au Portugal et les fidèles de Neus en Allemagne. Je salue la Scuola Cantorum de Vallo della Lucania, les fidèles d'Agnone et ceux de San Valentino dans les Abruzzes, les enfants jeunes confirmants de San Cataldo, la coopérative sociale Les Jeunes Amis de Terrassa Padovana et l'Institut scolaire Caterina di Santa Rosa de Rome qui fête ses 150 ans. Je suis heureux d'annoncer que le 29 juin, je tiendrai un consistoire pour nommer 14 nouveaux cardinaux. Leur provenance récompense l'université de l'Église pour annoncer l'amour miséricordieux de Dieu dans tous les confins de la terre. L'intégration des nouveaux cardinaux dans la diocèse de Rome manifeste le lien entre le siège apostolique et les églises particulières dans le monde. Voici les noms des nouveaux cardinaux. Sa Béatitude Louis Raphaël Sacco, patriarche de Babylone des Chaldéens. Monseigneur Luis Ladaria Ferrer, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Monseigneur Angelo de Donatis, vicaire général de Rome. Monseigneur Giovanni Angelo Becciu, substitut pour les affaires générales de la secrétaire d'État, délégué spécial pour l'ordre de Malte. Monseigneur Konrad Krajewski, aumônier apostolique. Monseigneur Joseph Kuntz, archevêque de Karachi au Pakistan. Monseigneur Antonio dos Santos Marques. Monseigneur Pedro Barreto. Monseigneur Désiré Sarasana. Monseigneur Giuseppe Petrocchi. Monseigneur Giuseppe Petrocchi. Monseigneur Thomas Aquinas Mangio. Monseigneur Thomas Aquinas Mangio. Avec eux, je n'irai au collège cardinalis. Un archevêque, un évêque et un religieux qui se sont distingués dans leur service. Monseigneur Sergio Obeso Viteva. Monseigneur Toribio Ticona Porco, prelato emerito di Coro Coro. Il reverendo padre Aquilino Bocos Merino, claretiano. Un père claretin, donc nommé par le pape, également cardinal. Confermando la loro adesione a Cristo, sommo sacerdote misericordioso e fedele. Je confie donc ces nouveaux cardinaux auprès au Seigneur pour qu'ils aident le ministère de l'évêque de Rome dans le service du saint peuple de Dieu. À tous, je souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Alors écoutez, je vous avoue qu'il y avait pas mal de noms inconnus parmi les nouveaux cardinaux que le pape vient d'annoncer. Excusez-nous pour ces difficultés de compréhension car nous n'avions absolument pas l'information de ces 14 nominations. Nous les traiterons avec plus de détails sur notre site frvaticanews.va, vous trouverez toutes les informations complémentaires dans l'après-midi. Merci beaucoup de votre écoute et bon dimanche à toutes et à tous.